Opéra 3.0, c'est le premier opéra interactif jamais créé. Il est né du cerveau bouillonnant de Antoine van Rijm et il propose à 6 chanteurs lyriques, une pianiste, un directeur musical, Roy David Molano et un comédien, de créer chaque soir son propre opéra. À l'aide de la technologie, les gens vont voter, envoyer un SMS gratuit et ainsi décider du déroulement dramatique et musical de la soirée. Aucune représentation ne sera statistiquement jamais la même. C'est un projet énorme pour monter ce spectacle que vous pouvez bien imaginer comporte 6-7 heures de musique à préparer. Et dans une période comme actuellement, où les gens sont tous accrochés tout seuls avec leur téléphone, tout d'un coup on a quelque chose qui se passe entre les gens dans la salle et en plus ça communique avec le plateau. Le fait de faire un truc un peu moderne avec le téléphone, ça permet de développer l'opéra chez les jeunes. Oui, non, c'est tout public, hein, c'est ça aussi qui est... Les amateurs d'opéra, comme les néophytes complets, ils trouvent leur compte, hein, je pense, parce qu'il y a de la comédie aussi. Donc c'est un spectacle vraiment pour tout public. Une soprano. Une autre soprano. Il y a un échange entre le virtuel et la réalité qui est plutôt intéressant. Donc il y a vraiment une idée très intéressante. On assiste dans Opéra 3.0 à une montée en émotion extrêmement forte dans cette activité entre le plateau, les voix des artistes lyriques, la scénographie de Ludivine Stock et l'émotion qui se dégage du public. C'est extrêmement touchant. À vous de choisir entre ces deux aiguillages, ces deux possibilités qui offrent donc à la fin une foultitude de possibilités. Les chanteurs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont chanter dans l'air suivant. Ça leur demande une réactivité et une disponibilité, le temps d'aller chercher dans leur bibliothèque l'air correspondant au choix que vous aurez fait. Voilà. À bientôt, j'espère, ici ou ailleurs.